Yo tout le monde, c'est Squeezie, aujourd'hui on se retrouve pour jouer à deux petits jeux. On commence tout de suite avec Weekend Drive. C'est un jeu dans lequel il y a trois mini-jeux. On va commencer avec Météorite Drive. On va s'amuser, c'est une pluie de météorites. Va à l'abri, ok, c'est parti, on y va. Attends, c'est quoi ce boostité quoi? C'est juste ça, voilà, donc les météorites sont hyper réalistes. Effectivement, on se croirait presque dans 2012, la fin du monde. Mais ce n'est pas le cas, hein, on est bel et bien dans Weekend Drive. Oh là là, regardez-moi, il traverse les bâtiments, il essaie de s'en sortir, c'est compliqué. Il prend un autre itinéraire avec son GPS TomTom. Là, il y a des trous. Ah, la météorite l'a frappé, mais il se relève aisément. Ouah, ça passe mon gars. Putain, mais c'est qu'un... Non, et c'est le vide. C'est... Attends, il y a une pluie de météorite et ensuite on est sur une passerelle à 2 km du sol quoi. Oh, je peux tirer sur mes potes? Allez-y les gars, je vous tire dedans. Ça vous fait accélérer, vous allez y arriver. Enfuyez-vous! Je suis dans une pluie de météorites, je vais m'en sortir. Ah, retour Windows. Ah, jeu qui crache. La pluie de météorites aurait eu raison de nous. Ok, deuxième mini-jeu, Nadzilla. Ah, it's Nadzilla. Chope des roquettes et tire sur Nadzilla pour le défoncer. Bra. Oh non, y'a du recul, mec. Faut s'enfuir. Y'a pas une voiture, un truc. Oh, une voiture. Putain, Nadzilla est effrayant. Comment on monte? On se tire. Ça, je suppose, ça indique les endroits où il y a des roquettes, c'est ça? Et pourquoi il y a personne qui nous aide, quoi? Putain, il y a un monstre de 22 mètres, sans déconner, qui nous attaque. Et il décide de déployer deux soldats. On voit pas, il y avait une roquette vers là, je la vois pas. What? What? Mais non! Attends-moi là, soldat. Bouge pas l'entrée, mais putain de con! Je vais chercher une roquette. Hop là, allez, tire! Pourquoi il veut... Oh! Mon pote va mourir, mec! On va tous mourir! Non! What the fuck? J'ai mis un headshot, il a bouffé mon pote! Ah! Laissez-moi m'en sortir! Je m'en vais dans cette petite rue! Ah! Putain, le vieux bruit quoi, on dirait un airsoft nul! La passion de courir avec aucune musique en arrière-plan. C'est totalement vide! Seulement des petits bruits de pas énervants. Poum! Poum! Allez! Poum! Voilà! Nadzilla must die! J'essaie de m'ambiancer, putain, y'a aucun retour à la réalité. Recalé à l'entrée, comme disait Orelsan. Voilà, en deux. Le mec, il a sa culture de merde. Oh mon dieu, là y'a des roquettes, je le sens là. C'est la deuxième base de la ville. Putain, on l'a semé de ouf. Faut que je sorte avant qu'il arrive. Je me suis enfermé, putain, c'est mal foutu ce camp. Non, y'a une sortie là-bas. Bra. Fond, là, en dessous. On glisse. Non. Nadzilla must die. Nadzilla. Dans la bouche! Ah! Dans la bouche! On te refait les dents, nous, mon gars! Non, il m'a gobé! Je te fais un Nazi doigt, biatch! Voilà, c'est très court, jeu suivant! Shower with your dad simulator 2015, do you still shower with your dad? Est-ce que vous touchez avec votre père? Moi, des fois, ça m'arrive, hein. Ce jeu qui est trop montant. C'est un tout petit jeu tout con et que vous m'avez conseillé en masse parce qu'il a l'air très addictif et très amusant. Alors, il y a plusieurs modes de jeu. Alors, on commence par Enduro Dad, faut faire quoi? Ah, je dois aller... Voilà, c'est parti, je dois rejoindre mon papa sous la douche, vous voyez? Le bon papa. Non mais attends, j'ai tourné autour de mon papa comme une grosse merde quoi. Papa. Putain, on voit même les zizi quoi, ce n'est pas censuré, c'est exceptionnel. Et oh là là, l'enchaînement. Oh non, le petit rouquiné là. Ah voilà, je dois trouver le père qui correspond. Et cette fois l'enfant change à chaque fois. Par exemple là c'est lui, hop là l'enfant a changé. C'est le fils de qui lui? C'est le fils du roux? Oui c'est ça. Oh non, wrong guy, je vais se tromper. Papa, je te vois. Oh, c'était moi, mon gars, c'était tendu hein. Et en fait on a un temps à chaque fois pour trouver le bon papa. Oh, il y avait une extra savonnette. Wouhou. Soap, double point, allez. Oh merde, le mec il gâche tout en une seconde quoi. Oh là mon gars, on est lancé là mais d'une puissance. Regardez, c'est incroyable, on se slalom véritablement entre les pères qui ne sont pas les nôtres. Regardez le talent. Oh, j'ai même pas fait exprès. Oh la vache. Ah, excellent jeu de mots pour un jeu comme ça. Oh, j'adore prendre une douche avec mon père régulièrement. Putain, on a plus de temps. Bon, regarde, voilà, c'était la fin. On voit un peu l'entraînement, l'effet de jouer plusieurs minutes déjà. Ça procure finalement une certaine sensation. Unlocked, Straight Razor. Il est cool. Ok, je peux le temps de lire. Oh, ils sont tendus, regardez, ils sont rasés. Voilà quoi, ça, le rasoir, putain. Ah. Je suis en train de traiter comme le plus grand des connards. C'est abusé, je parle même plus, je veux juste faire le meilleur score possible, imaginable quoi. Essayez, vous allez voir, prenez des douches avec votre père, vous aussi, vous allez voir que vous allez tryhard comme nous. Putain, quand t'arrives à un certain stade, y'a des flaques par terre quoi, pour t'induire en erreur. Ah, regardez jusqu'où j'ai glissé. Ah, les enfoirés. Regarde, il fait glisser sur un autre papa quoi. C'est un crime, c'est puni par la loi ça. Papa roux, putain mais cette musique me met en transe, un truc de ouf mon gars. Ça me met en totally trans. C'est un peu comme les Totally Spies mais version trans quoi. On
on s'amuse tellement. Ah, regardez, putain, arrêtez de me faire glisser. Putain, vous, je sais que vous voulez vraiment pas que je rejoigne papa sous la douche, mais c'est mon droit. Ah, c'est mon droit. Ah, mais regarde comment il me balade, mec, c'est juste abusé, quoi. Allez, towel off, moi, je me tire de ces douches, bordel. Y'a quoi comme autre mode? Dad Divisions, c'est quoi ça? Je peux bouger, je peux changer ma couleur, et il faut que j'attrape le bon papa. Par exemple, là, il me faut le roux, le rôle roux. Oh là là, attends, c'est vachement compliqué, mec, sans déconner. C'est carrément, on envoie carrément notre main sur leur pénis, quoi. On les fiste, mon gars. Ça n'a aucun sens, ce qui se passe. Papa, je t'aime tellement que je te touche les fesses. Faut surtout pas jouer à ce jeu quand vos parents sont chez vous, hein. Vraiment, il risquerait d'y avoir confusion. Viens là, petit blanc, c'est pour moi. N'empêche, c'est marrant parce qu'il en a fait un truc con, alors qu'en vrai, le jeu est carrément bien, quoi. Oh, oh là là, ça commence à aller très très vite, mec. J'arrive plus à me concentrer. C'est pas ce que tu crois, maman. Je suis trop concentré. Je suis en train de tryhard un jeu où putain tu touches les yeux de ton père, quoi. Où on en est, bordel? Faut que je ferme cette chaîne YouTube, ça devient de pire en pire. J'ai des vies en bas à droite. Chaque fois que je rate ou que je prends le mauvais papa, ça me retire une demi. Non mais arrête, mec, abuse pas non plus. Ah, 65 papas consécutifs. Eh ben j'ai bien aimé ce mode là, moi. Mettre des doigts comme ça dans les... Enfin, pour attraper nos papas. Attends, mais il est long ce bras quand même. Oh là là, en fait tu peux sniper les papas. Y a même pas besoin de bouger. Pourquoi bouger quand on peut tout attraper en restant sur place? Je les snipe, mon gars. Donc là, actuellement, mon métier se résume à attraper les papas correspondants par le zizi. Voilà. Des fois, on me demande ce que je fais dans la vie. Je dis, j'attrape des papas correspondants par leur zizi. C'est vraiment un métier palpitant que tout le monde apprécie. Et effectivement, toutes les semaines, je fais la garde à vue à cause de cette question. Ça finit mal à chaque fois. Je sais pas pourquoi, les gens comprennent pas. Bon, voilà, j'en suis à la fin de cette vidéo. J'espère quand même que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à toucher le zizi de votre papa. Non, à aimer la vidéo. Je veux pas être responsable si vous touchez le zizi de votre papa. Non, mais comprenez-le. Après, j'ai encore faire de la garde à vue. Déjà que j'en fais tout le temps. Stop, j'en ai marre. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Peace.